également et a répondu à ce besoin-là. Et on a intégré cette donne qui est la possibilité pour le Marocain du monde d'être enterré soit dans son pays d'origine, soit dans son pays de résidence. Maroc Assistance, comme vous le savez, c'est une filiale de la Banque Populaire qui opère dans le secteur de l'assurance, notamment de l'assistance. La différence entre l'assurance et l'assistance, c'est que en matière d'assurance, on indemnise. En cas de sinistre, l'assurance indemnise l'assuré. Et en cas d'assistance, la compagnie d'assistance prend en charge à chaud, sur le champ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indemnisation, mais il y a une prise en charge sur le champ parce que ce monsieur ou cette dame-là est dans une situation difficile et il faudrait apporter le secours et l'assistance nécessaire. C'est pourquoi, dans notre produit qui est destiné à nos assurés, et notamment aux Marocains du monde, il n'y a pas que le rapatriement de corps. Il y a un certain nombre de prestations d'assistance, notamment au Maroc, lorsque le Marocain du monde est en vacances. Et lorsque il est en vacances et, par exemple, il y a un sinistre, soit sur la route, soit dans son domicile, soit dans un hôtel, en cas de maladie, de blessure, etc., Maroc Assistance intervient aussi. Elle intervient pour le transport sanitaire, elle intervient pour le rapatriement sanitaire, pour le conseil médical, pour la visite à domicile, pour le remorquage, etc., etc. Donc, les détails de ce produit seront présentés tout à l'heure par cet âme. Mais pour ma part, et en attendant que nos amis marocains du monde qui ont des difficultés de stationnement peut-être nous rejoignent, j'ouvre la foire aux questions, si vous voulez. Si vous avez des questions sur l'assistance, sur le rapatriement de corps, sur les procédures de souscription par rapport à cette prestation, avant que nous puissions lancer notre présentation et vous parler en détail des caractéristiques et des garanties. Sinon, si vous n'avez pas de questions, je propose, oui. C'est Abrahim. Oui. La cachine. Un micro baladeur. Juste pour la question, elle a gagné l'assurance depuis 10 ans. Puis ça fait 3e fois qu'elle me prélève. Double montant, c'est-à-dire les 800 dirhams par an, c'est 1800 dirhams par an. Donc j'ai fait une lettre à la Banque Populaire, mais ça fait 4-5 mois qu'ils traînent dans la banque. J'ai envoyé une lettre pour l'adresse, une lettre pour Injet, mais j'ai rien reçu encore. Donc je veux savoir donc ça se passe où. Et pour que je téléphone à la banque, à Injet, on ne sait pas quoi faire. Salam alaikum. La question d'Yamine, c'est concernant l'assurance. C'est par exemple, l'Est du Canada, parfois il passe par l'Europe. Tu voyages avec l'avion, tu arrives en Europe, ça se peut qu'il rentre par voiture ou bien par avion. Est-ce que l'assurance il couvre l'Est du Canada lorsqu'il couvre par l'Europe?
خسرت الطوموبيل الفريق، قعدت له اكسيدون، خسروا محامي، سكيلي فريق ابو كيستون دو دون، ونو، باسكو هي توتال توتال اسيرونس كي كوفر ميم لوروب وهنايا والماروك. كوم لاسيرونس فواياج باغ اكزومبل. شاي شكون؟ عفري لا انا bonjour à tout le monde et bonjour à vous autres. C'est le moment qu'on a eu la chance d'aller passer quand on s'est rencontrés dans le salon du billet. Je passerai vers des remarques. Je crois qu'on ne pose pas beaucoup de questions actuellement. C'est sûr et certain que moi aussi je suis gêné. Je dirais, est-ce que mes questions ils vont blesser un peu nos invités? En affaires, on souhaiterait qu'on pose des questions d'affaires. Ça n'a rien à voir avec monsieur X ou l'autre. Donc nous avons le même respect, mais évidemment, tout à l'heure, moi aussi j'ai un dossier qui, vous savez, avec le Maroc, avec l'administration marocaine, on est toujours différé dans le siècle, pas dans le temps. Dans le ciel. Alors nous souhaitons qu'on crée un espace de communication et de communication adaptée à chaque pays, je crois. Je crois que c'est possible. Hein? Et tout à l'heure, je poserai des questions. Maintenant, simplement, je vous offre ça. Merci. Salam alaikum. Si vous pouvez, juste une petite question, est-ce que pour avoir accès à ces services, que ce soit l'assurance ou bien l'assistance, est-ce qu'il faut qu'on ait un compte avec la Banque du Jardin, plutôt la Banque Populaire obligatoirement? La deuxième question, si pour l'assistance, elle couvre, s'il y a un décès au Maroc pour les déplacements, le décès, ça concerne la famille, est-ce que c'est les parents directs, c'est-à-dire mère, père, frère et sœur, ou juste les parents, ou... C'est qu'est-ce qu'il couvre exactement? Merci. Bonjour tout le monde. Bien sûr, ça va être des questions générales qui seraient peut-être couvertes par les études commerciales. Ça concerne d'abord les conditions pour souscrire une telle assurance et une assistance. Concernant l'âge, concernant la condition de santé, et effectivement donc la question du compte également qui a été déjà posée, comment on pourrait, d'autant plus que vous n'avez pas de représentation ici d'agence à cette place. Merci beaucoup. Bien. Donc, je commencerai par la première question qui concerne le prélèvement en double. Il est important de noter que, contrairement aux polices d'assurance, nous permettons aux clients de la Banque Populaire d'intégrer le contrat jusqu'à 65 ans et surtout sans différence de prix. C'est-à-dire que on est dans une politique de mutualisation du risque sur l'ensemble du portefeuille de la banque, et que donc, contrairement au contrat d'assurance où, en fonction de votre âge, vous payez des primes différentes, entre 25 et 35 ans, vous payez $100, entre 35 et 45, vous payez $150, et au fur et à mesure, en fait, vous avez une prime qui augmente à mesure que votre âge augmente, sans compter le gestionnaire de santé médical qui s'applique forcément à partir d'un certain âge. Nous sommes dans une politique de mutualisation où nous intégrons en fait les clients de la banque de manière systématique, sans différence de prix. L'assistance en cas de maladie du Maghreb ou un voyage. Les cliniques sont. Ah ouais. Ah ouais. Je suis. 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 Je suis.
لا مالادي في المغرب مشكل كاين في المغرب لي زوبيتو ما تياخذوهمش بعين الاعتبار بانهم ناس عايشين برا تمشي اوبيتال ديال الدوله تيتكفصوا عليه تمشي كلينيك سويت طلبوا لي واحد حنا بلا كبير حنا بالنسبه لينا حنا هنا في كندا كاينين ديزاسيرونس عندنا بحال الكروا بلو كتكوفري كاع البواياج كله من ناحيه الادويه من ناحيه الديزاسيرونس ولكن حنا اوني بغي بيان افوار فير افير افيك مثلا مع مارو اسيستونس ولا مع بنك الشعبي اللي تمشي للمغرب بحال دابا انا كان انيزون انا مراتي مشات للمغرب طاحت خونا حطيت فيها 13000 دولار في المغرب يعني بالنسبة لينا حنا مغاربة ملي كتدخل المغرب تيكون خصك تخلص إذا كانت أسيرونس بحال دابا فيها هذه القضية ديال التدفين ولاسيستونس في الفواياج من الأحسن تزيدو فيها واحد لا يعني تزيدو شوية الفلوس وتكوفري بوندو هذاك الفواياج إنسان طاح مريض فتح اكسيدون كاين الناس كيمشاو ما جاوش المغرب على والو دخل لوبيتال خصو يموراجي خصو يعتقوه خلاو حتى من تما مع ان اللي واقيلا عندنا من كندا الدراري مشاو هنا سؤال دابا بزاف اكسيدون سير كلاس المغرب خصو حطو في حوالي ديال 20000 دولار 25000 دولار يعني الا ممكن سؤال اخر ديال السي شريف باش يجاوب على الجوج ايزي جوست كونسيرمون لا باريفيكاسيون vous avez le forfait famille pour prendre les enfants de 18 ans moi par exemple j'ai une petite sœur de 15 ans quand on aura 18 est-ce qu'on sera avisé sur le retrait parce que je vois que voilà, j'ai 18 ans ça monte à 450 dirhams est-ce qu'on sera avisé ou c'est automatiquement ça se retire sur le compte mais comment ça fonctionne? Alors, pour répondre à monsieur de façon précise, nous sommes une société d'assurance. C'est le cas, étant que le compte est nécessaire aux sociétés d'assurance, vous aurez deux moyens pour suivre cet acte. Un, c'est le relevé de compte. Et en principe, même si vous ne faites pas d'opération, qu'il n'y a pas de relevé de compte conséquent, lorsque le compte dort, entre guillemets, dort, arrive à un moment un seuil où il affiche zéro et il commence même à afficher plus. Autour de 50 dirhams de débit, automatiquement, ce n'est pas la banque, ce n'est pas un employé qui le fait. Le système déclenche une lettre qui vous parvient à votre adresse, entre parenthèses, encore faut-il que l'adresse soit actualisée et mise à jour. Et dans ce courrier, on vous dit gentiment que la situation de votre compte aujourd'hui ne permettrait pas de couvrir ces opérations en cours. Prière de bien vouloir. Ça, c'est le premier moyen classique, etc. Courrier. L'autre moyen de savoir l'état de votre compte, l'état de vos débits, notamment les primes d'assurance, etc., c'est de souscrire à Chabinet. On parlera peut-être plus en détail. Chabinet qui peut être fait soit directement le produit seul sur le site. Vous connaissez bien entendu votre compagnie d'assurance, mais entre votre compagnie d'assurance et la compagnie d'assistance, il y a un contrat de collaboration qui permet à la compagnie d'assistance d'intervenir sur le champ en cas d'accident ou en cas de panne. Le décès, et ça c'est la prestation phare, c'est la garantie phare pour les Marocains résidant à l'étranger, nous intervenons pour prendre en charge toutes les formalités administratives. Toutes les formalités administratives de A à Z, c'est-à-dire ça va des autorisations, des vacations de police, de transport, etc., jusqu'à ce que la personne soit inhumée, le défunt soit inhumé, soit sur place, soit rapatrié à l'étranger vers le Maroc. Et pour cela, nous avons des conventions de collaboration avec des prestataires de services. Des prestataires de services spécialisés dans ce cadre-là, comme les fonds funèbres, par exemple. L'organisation de Maroc Assistance, nous pouvons l'appréhender sur trois plans. D'abord, il y a une organisation opérationnelle propre à Maroc Assistance. Nous sommes une compagnie d'assistance dotée d'un centre d'appel qui travaille H24, 7 sur 7.
lorsque le sinistré ou l'assuré appelle, il est pris en charge par le chargé d'assistance, ce sont les conseillers, et qui l'orientent, qui l'épousent, qui le prennent en charge, et qui le mettent en relation avec le prestataire de service qui va le prendre en charge. Nous avons également un autre plateau d'assistance au niveau de Paris. Nous avons une filiale de droit français qui s'appelle Multi-Assistance Internationale, qui dont le siège est à Paris, et qui travaille en étroite collaboration avec nos prestataires de services à travers le monde. C'est-à-dire que dans chaque pays, là où il y a des résidents marocains, nous avons... Et une autre qui est dédiée aux techniques. Parmi l'assistance médicale au Maroc, en fait, la personne peut bénéficier de trois prestations. D'abord, tout ce qui est transport sanitaire urbain ou interurbain en cas d'accident ou de maladie. D'accord ? La visite médicale à domicile dans 21 villes au Maroc. Quand on dit à domicile, ce n'est pas dans le sens de dans son domicile de résidence. La personne peut être en vacances à Marrakech, elle peut être chez des amis à Tétouan, elle peut être en déplacement à l'hôtel quelque part du côté d'Agadir. Visite à domicile s'entend dans le sens où c'est un médecin qui se déplace vers le patient pour le soigner. Donc cette visite médicale à domicile, qui logiquement est facturée par le médecin 310 dirhams, aujourd'hui, nos assurés ne paient que 140 dirhams. Nous supportons la différence en faveur de nos clients.